غادي نربطوا الاتصال اذا بضيفه في المغرب، اذا سنطير الى المغرب وذلك للتحدث عن تظاهره غادي تكون ان شاء الله قريبا بالضبط في شهر نوفمبر حول اول المهاجرين العرب، ما دمنا كنهضروا على الهجره المهاجرين وهو يعني رمز من رموز الهجره والانفتاح كذلك العربي. انه شخصيه يعني شخصيه فذه لا مثيل لها، وهو ابن بطوطه. اذا غادي نتحدثوا على مهرجان ابن بطوطه من خلال هذه التظاهره اللي كتقوم بها جمعيه، وجمعيه سميتها ابن بطوطه، ومعنا عضوه في هذه الجمعيه هذه وهي الاخت صباح زحنيني. بونسوار صباح. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça nous fait plaisir de t'entendre, Sabah. Également, merci beaucoup. Marhaba bik. Alors, tu es à Tanger ou là, Arabe? Non, à Tanger. À Tanger. Oui, à Tanger. Arosat el Chamal. Effectivement. L'association, je vous parle un petit peu de l'association. Tout à fait, tu précèdes ma première question. Effectivement, présente-nous l'association donc Ibn Battuta, depuis quand elle existe et c'est quoi sa mission? Ok, alors l'association marocaine Ibn Battuta, donc elle est basée à Tanger. Elle a été créée en 2015 par des amoureux du patrimoine culturel, dont M. Ahmed Beka, qui est le président d'honneur de cette association. Je suis moi-même également membre de cette association. Alors l'association, elle est dédiée à promouvoir le patrimoine immatériel culturel du Maroc, notamment l'un des plus grands voyageurs de tous les temps, qui est Ibn Battuta. Mm-hmm. Donc à travers ses voyages, son histoire. D'ailleurs, l'association organise également tout au long de l'année différentes activités justement socioculturelles autour des voyages, de l'importance en fait également de la richesse de la diversité culturelle. Très bien. Donc, vous dites que les activités durent et se prolongent durant toute l'année, c'est bien ça? Oui, voilà, toute l'année. Mais nous avons un festival qui sera organisé c'est ça. Du 9 au 12 novembre à Tanger. Exactement. Donc, c'est le point culminant de des activités donc de l'association Ibn Battuta. Donc, comme tu as si bien dit, Sabah, donc. L'événement aura lieu du 9 au 12 novembre 2017 à Tanger. Et puis donc qui va assister à cet événement et qu'est-ce qu'on pourrait donc apprendre durant ce festival? Alors ce que je voulais dire surtout par rapport au festival, donc c'est un festival donc qui est c'est la seconde édition donc du festival international Ibn Battuta, qui va justement mettre en avant le voyage Battuta, donc justement pendant plus de 30 ans. Il faut noter que le thème de cette édition est les voyageurs ambassadeurs de la paix. Alors ce thème a été choisi pour accompagner toutes les activités du festival autour d'un message universel de paix et de tolérance à travers donc la richesse, la diversité culturelle et des voyages. Alors en ce qui concerne les programmes, il y aura un certain nombre de programmes exposition donc autour encore une fois donc du voyage, de la tolérance, de la paix. Toutes les activités encourageront donc le dialogue et la coopération donc au-delà des frontières. Aujourd'hui, le programme est organisé autour de conférences scientifiques avec différentes thématiques. Je peux vous donner quelques thématiques. Mais oui, bien sûr, bien sûr, oui, c'est important, oui, oui. Vous avez l'interculturalité. Les femmes et la paix, également le rôle des femmes dans la construction de la paix. Mmh. Vous allez également avoir le rôle en fait de la société civile dans donc, tout ce qui va être la construction de la paix et la tolérance. Et bien entendu la mise en avant en fait des voyages. En fait l'importance de voyager et d'aller découvrir en fait également les autres cultures, les autres civilisations. Donc ça c'est pour les conférences scientifiques. Il y aura également des pièces de théâtre qui tournent autour de la paix, des concerts musicaux également donc qui tournent autour des messages de paix et de tolérance. Il y aura des lectures de voyage, des diffusions également de films justement pour sensibiliser les visiteurs à cette importance en fait justement de
d'aller découvrir les autres cultures. Aujourd'hui, effectivement, le festival tombe au bon moment. Pourquoi? Avec aujourd'hui ce qui se passe un petit peu partout, comme vous le savez, dans le monde, malheureusement. Mm-hmm. C'est l'occasion aussi de se retrouver, de discuter, d'échanger, d'apporter éventuellement des solutions à des conflits, de venir débattre. Il faut savoir aussi qu'en fait, lors du festival, il y aura des experts qui sont, donc, bien entendu, nationaux, marocains, mm-hmm. mais également internationaux. Donc, on a des artistes et des experts qui viennent donc des États-Unis, d'Asie, d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient. Est-ce qu'on aura, par exemple, parmi l'assistance, donc est-ce qu'il existe maintenant des genres, des voyageurs célèbres qu'on peut, genre, apprendre d'eux? Parce que, bon, à travers le. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voyage, mais est-ce qu'il y a des symboles, par exemple, actuels, du temps moderne, là, du voyage? Alors, oui, effectivement, très bonne question. Effectivement, il y aura effectivement des deux grands voyageurs qui seront également présents. Comme je vous ai dit, en fait, là, j'ai annoncé des thématiques, des conférences. On est encore aujourd'hui donc en train de finaliser. Il y aura effectivement des voyageurs. Il y aura également des personnes, en fait, qui ont également apporté, comment dire, en fait, une pierre à l'édifice, également à la construction de la paix, des personnes qui ont mené des actions également sociales et humanitaires, justement pour la construction de la paix, pour justement mettre en avant, en fait, cette diversité culturelle, en faire une force et non un inconvénient. Il y aura des voyageurs, effectivement, lors du. Très bien, parce que avant de d'entrer en contact avec toi, ça va, on parlait du 11 septembre, parce que on mémorise tous cette date-là, cet événement douloureux. Et puis, justement, est-ce que des événements comme ça ne pourront pas, justement, n'auront pas comme but de restaurer un petit peu l'image, je ne sais pas moi, de l'arabe, de la civilisation musulmane, etc. Et que le fait de rappeler aussi que les musulmans étaient ouverts et partaient à la conquête du monde dans le but de partager et d'apprendre aussi des autres. Eh bien, écoutez, tout à fait, monsieur Abdou, effectivement. Comme vous le savez, Ibn Battuta est quand même un grand aventurier pendant plus de 30 ans. Comme vous le savez, il a quand même parcouru un peu le monde entier, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Espagne, l'Inde, la Chine, les Maldives, partant jusqu'à Mecca. Mmh. C'est quelqu'un quand même qui a été à l'écoute, en fait, à la découverte, je dirais plutôt, des cultures et des civilisations et des religions. Mmh. D'ailleurs, quand il est revenu, il a écrit Rihal à l'histoire d'Ibn Battuta, où il met en avant justement les différentes religions, les différentes cultures, les différentes civilisations des pays qu'il a visités, que ce soit en Afrique, que ce soit des pays musulmans également, ou des pays chrétiens par exemple. Et il met en avant, en fait, cette richesse. Ah oui. Il met également en avant que l'islam est une religion de paix. Oui, de tolérance. Tout à fait. Mais moi, j'avais suivi à un certain moment sur la radio nationale marocaine une série, c'était très intéressant et c'est ça que j'ai gardé en mémoire. Et puis à chaque fois, c'était quelque part dans un pays différent. Et ce que j'avais retenu, c'est que Ibn Battuta racontait donc les coutumes et as de ces pays-là, mais avec beaucoup de respect. Il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas de jugement. Tout à fait, avec beaucoup de respect et sans jugement. C'est pour ça qu'en fait, nous, tout le festival est tourné autour de la tolérance et de la paix et le respect d'autrui. On veut également mettre en avant cette importance de coexistence pacifique, de savoir vivre ensemble en respectant autrui. C'est que comme ça, en fait, qu'on pourra avancer, je dirais, même main dans la main. Aujourd'hui, lors du festival, qui est festival international, qui aura lieu à Tanger, il y aura quand même la présence des quatre coins du monde, des participants des quatre coins du monde. C'est l'occasion pour chacun de venir s'échanger, de venir débattre. Mm-hmm. Nous, à l'issue d'ailleurs même du festival, nous allons établir, bien entendu, des comptes rendus avec les retours, effectivement, qu'on a eu également des visiteurs, les questions, les interrogations, les solutions, éventuellement, qu'on remettra par la suite également aux différentes autorités, concernées. Mais effectivement, nous, on veut également mettre en avant le respect d'autrui qui est primordial.
C'est très très bien, c'est une très noble mission et qui est indispensable parce que justement, parmi les questions que je me suis posées auprès de nos auditeurs ce soir, c'est comment justement faire face aux répercussions qui se prolongent encore des attaques du 11 septembre. Et c'est justement ce genre d'événements qui prônent le vivre ensemble, la tolérance et l'ouverture vers l'autre et surtout le respect mutuel qui pourront donc, c'est une partie de la solution effectivement. Et puis, pour finir, Saba, j'aimerais, parce que vraiment, moi je trouve que Ibn Battuta pourrait être, comment dire, l'icône des Marocains du monde, parce que c'est un des premiers voyageurs, un des premiers, c'est pas un immigrant, mais c'est quelqu'un, un des curieux, c'est la plupart de nous sont venus, sont allés ailleurs par curiosité pour vivre autre chose, pour apprendre des autres, évidemment, et partager par la suite avec leur pays d'origine. C'est le cas pour la grosse majorité de nos concitoyens qui sont un peu partout dans les quatre coins du monde. Justement, pourquoi ne pas, dans l'association, essayer de tisser donc des, je sais pas moi, des stratégies ou des, je sais pas, des idées là, pour que Ibn Battuta soit présent et soit valorisé à travers le monde. Par exemple, si je prends le cas de Montréal, moi je verrais bien que MFM Radio pourrait jouer ce rôle-là auprès, par exemple, de Dar Al Maghrib, le centre culturel marocain, qui est devenu quand même très dynamique, très actif au sein de la scène culturelle canadienne. Donc, vraiment, moi je trouve que Ibn Battuta, comme personnage, comme pionnier dans l'art du voyage, et j'appelle ça vraiment l'art du voyage, et de raconter son voyage aussi, de partager son voyage, je trouve qu'il mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui, qu'on lui donne vraiment la valeur qu'il mérite. Alors oui, effectivement, tout à fait, vous avez fait raison. Ibn Battuta, ce grand voyageur, tout le monde peut se reconnaître à travers Ibn Battuta, sachant qu'il a, comme vous dites si bien, voyagé à travers le monde. En ce qui concerne le Canada, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a également des bénévoles, parce qu'en fait, tout le principe du festival est basé sur du bénévolat. D'accord. Et ça, je tiens également à remercier tous les bénévoles qui participent et qui travaillent dur pour la réussite de ce festival. Que ce soit des bénévoles qui préparent justement ce festival ou que ce soit des artistes bénévoles ou experts bénévoles, on a également des personnes du Canada qui sont bénévoles lors Très du bien. festival. On a des personnes du monde entier, comme je vous ai dit, que ce soit d'Europe, d'Asie, des États-Unis. Moi, ce que je propose également aux auditeurs, c'est de visiter notre site internet. Justement, j'allais vous demander l'adresse, justement. Oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, le festival est ouvert à l'international. Pourquoi? Parce que nous souhaitons élaborer une contribution globale, en fait, de la communauté internationale à la paix et à la tolérance, avec justement des bénévoles et des participants des quatre coins du monde. Tout le monde peut se reconnaître, le monde entier peut se reconnaître à travers Ibn Battuta. Alors moi, ce que je propose, c'est j'invite les chers auditeurs à visiter notre site internet, où ils trouveront également le programme, également la liste des bénévoles que nous recherchons encore aujourd'hui, sur donc www.inbattuta.ma. Très bien. Et j'invite tous les Marocains du monde, tous les Canadiens, toutes les personnes du monde à venir voyager donc, au rythme de la paix et de la tolérance à Tanger, le 9 au 12 novembre 2017. Ben voilà, c'est bien noté. J'espère que nos auditeurs Voilà. l'ont bien Merci. noté. Je le répète encore une fois et j'espère que je vais pas me tromper parce que c'était facile. Alors, www.ibnbattuta.ma, c'est ça? Voilà, tout à fait. Très très bien, c'est facile à retenir et puis surtout à suivre et donc à partager également. Donc c'est ça le but de cette rencontre, cette première rencontre à Sabah, parce qu'on va suivre l'événement, c'est sûr et certain, au fur et à mesure que ça avance. Voilà. Effectivement, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter vraiment de manière générale le C'est festival. ça, exactement. Au fur et à mesure, on vous détaillera le Tout programme. à Et fait, bien tout à fait. entendu, toutes les informations disponibles. Vous pouvez nous contacter Voilà. et ça nous sera un plaisir vraiment de vous renseigner sur le festival. Les bénévoles, les participants sont les bienvenus, les sponsors également sont les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu dans cette merveilleuse aventure. Absolument, le voyage continue. Donc, merci beaucoup, Saba. Le voyage continue.
Voilà, et puis on Merci par parle. rapport. Merci Merci à beaucoup. vous. Donc, en parlant de bénévoles et de partenaires, donc, vous pouvez considérer que toute l'équipe de MFM Radio sont des bénévoles. Et MFM Radio, c'est un partenaire donc, sur lequel vous pouvez donc, compter. Merci beaucoup, Saba. Bravo, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Très à bonne vous. soirée, à bientôt. Au Salut. revoir. Merci, au revoir. Voilà.